En manchette aujourd'hui, un retour sur le dossier du cimetière à Berthierville. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 18 juillet. Juste auparavant, on vous rappelle que la traverse Saint-Ignace de Loyola, Sorel-Tracy sera fermée du 19 juillet au 22 juillet, dû à une grève. Donc, c'est la deuxième fois qu'on ferme la traverse chez nous. Et évidemment, ça aura sûrement un impact, puisqu'on parle de la première semaine, de grosse semaine de vacances, donc entre le 19 juillet et le 22 juillet. Donc, si vous avez l'intention d'aller sur la rive sud, il faudra trouver un autre moyen, soit par Trois-Rivières ou par Montréal. Donc, c'est à prévoir. Un dossier à suivre, évidemment, celui qui oppose un des syndicats à la Société des traversiers du Québec. Dossier qui n'est pas encore réglé. On parle maintenant d'une nouvelle qu'on vous a partagée hier dans le bulletin d'information diffusé sur nos ondes hier. Nous avons fait état d'un certain mécontentement, si on peut dire, sur les réseaux sociaux, et ce, en lien avec des travaux rattachés à un important projet domiciliaire, projet résidentiel, à Berthierville. Un projet qui voisine le cimetière à Berthier. Des intervenants ont poussé les hauts cris, affirmant que le promoteur avait déraciné des arbres et renversé quelques pierres tombales. La ville était aussi pointée du doigt. Hier, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, contacté par CTRB, a affirmé vouloir procéder à certaines vérifications. Aujourd'hui, le maire de Berthierville, M. Lahaye, a recontacté CTRB pour faire le point sur ce dossier. Pierre Lahaye mentionne que le promoteur et la fabrique de la paroisse de Berthier, bref, les propriétaires des deux terrains, donc où on a filmé ces quelques images, les deux propriétaires ont été rejoints. Les travaux effectués par le promoteur. On parle de fauchage et de nettoyage en bordure de la ligne mitoyenne entre les deux terrains. Selon la ville, ces travaux sont conformes et ne nécessitaient pas de permis spécial. Donc, aussi, on indique que le fossé qu'on a vu sur les images est à 95% du côté du terrain du promoteur. Donc, et que pour faire ces travaux, comme on l'a dit il y a quelques instants, aucun permis n'était nécessaire. 2. Les pierres tombales renversées le sont depuis longtemps, nous dit-on. Et ça a été confirmé à la ville par la fabrique. Donc, ça s'est fait suite aux vérifications municipales. Donc, dans ce dossier-là, évidemment, il ne faut pas toujours se fier aux réseaux sociaux. On avait remarqué nous autres même lors de la visite de CTRB que des pierres tombales avaient été déplacées, mais repositionnées à côté sur leur socle. Évidemment, ce n'est pas un tracteur, ce n'est pas un bulldozer qui peut faire ce genre de travail et ça semblait fait depuis bien longtemps. La fabrique a confirmé à la ville que ces quelques pierres tombales déplacées le sont depuis un bon bout de temps. À quelques heures maintenant du début des vacances de la construction, au cours de laquelle des milliers de personnes prendront la route, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, présente quelques statistiques dans le but de renverser la tendance en ce qui concerne le nombre élevé de victimes au cours de cette période. Chaque année, on compte quelques 1500 victimes de la route au cours de ces deux semaines d'été, soit en moyenne 19 personnes décédées, 83 personnes blessées gravement et 1466 personnes blessées plus légèrement.
Les principales causes d'accident sont la fatigue, la conduite avec les facultés affaiblies, la distraction, les comportements imprudents et bien sûr la vitesse. Il faut écouter la science pour sauver des vies. Et voici quelques faits intéressants à ce sujet. Saviez-vous qu'après 24 heures d'éveil consécutives, les capacités physiques et mentales sont comparables à celles d'une personne ayant un taux d'alcool dans le sang de 0,1, soit au-delà du 0,08? La seule solution pour contrer la fatigue est de dormir. Les haltes routières et les villages relais sont mis à la disposition des gens pour notamment leur permettre de faire de courtes siestes avant de reprendre la route. Avec les nombreuses activités estivales, les occasions de consommer sont nombreuses. C'est d'ailleurs pendant les mois d'été que l'on retrouve le plus grand nombre de conductrices et conducteurs décédés avec de l'alcool dans le sang. De 2018 à 2022, pour les mois de juillet et août combinés, près du quart, on parle de 24,2%, près du quart des conductrices et conducteurs décédés avaient de l'alcool dans le sang. Lorsque vous prenez de l'alcool, même en quantité modérée, prévoyez une solution de rechange. Et si vous devez conduire, eh bien, optez pour des boissons sans alcool. Sur une distance de 10 km, rouler à 70 km/h dans une zone de 50 fait gagner à peine 4 minutes. Pourtant, réduire la vitesse de 10 km/h permettrait d'éviter 120 décès chaque année sur nos routes. Il faut aussi respecter le code de la sécurité routière. C'est plus que respecter la loi, c'est se soucier de la sécurité de tous, de tous les usagers et de tous les usagers de la route. À l'aube des vacances de la construction, on vous invite à être informé, conscient, mais surtout prudent. Mais surtout, ne soyez pas la prochaine victime. Le Festival de la Naudière, on parle évidemment d'art et spectacle, le Festival de la Naudière et le Saratoga Performing Art Center sont fiers d'annoncer un partenariat sans précédent pour l'édition 2024 du programme de mentorat. Fondé par le Festival de la Naudière, ce programme bénéficie maintenant d'une collaboration qui réunit deux prestigieux festivals de pays différents, ce qui permettra d'offrir des opportunités exceptionnelles aux musiciens classiques canadiens émergents. Le programme de mentorat du Festival de la Naudière, lequel se déroule du 25 juillet au 4 août prochain, en est à sa troisième année et ne cesse de gagner en popularité et en soutien. Rendu possible grâce à la générosité de la Fondation Père Lindsay et du Fonds Jacques Martin, le programme permet à 6 musiciens classiques canadiens prometteurs de nouer des relations professionnelles avec des artistes de renom, ce qui leur permet de consolider leur cheminement vers une reconnaissance internationale. Les participants de cette année passeront 6 jours à Joliette, au Québec, puis 4 jours à Saratoga Springs, dans l'État de New York, durant la résidence annuelle de l'Orchestre de Philadelphie au Saratoga Performing Art Center. Au cours des deux festivals, les participants bénéficieront d'échanges privilégiés avec des personnalités du monde de la musique classique, y compris avec des chefs d'orchestre, des solistes et des musiciens de l'Orchestre de Philadelphie. En outre, ils participeront à des ateliers, assisteront à des répétitions et à des concerts et profiteront d'un accompagnement individuel, le tout afin de développer des outils essentiels à la gestion de carrière. La proximité de nos festivals et les valeurs communes que nous défendons font de ce partenariat une expansion naturelle de notre programme à nul autre pareil et un témoignage de sa demande et de sa reconnaissance croissante, mentionnent les responsables du Festival de la Naudière. Ils ajoutent « Nous sommes impatients d'observer comment cette collaboration améliorera l'expérience de nos mentorés
et leur fournira des contacts professionnels et des opportunités de croissance inestimables, de mentionner le directeur général du Festival de la Naudière, Xavier Roy. Nous sommes très heureux de collaborer avec nos collègues du Festival de la Naudière et de poursuivre nos efforts de rapprochement transfrontalier. SPAC, donc le Saratoga qu'on vous a parlé tantôt, a toujours été le creuset de plusieurs grands artistes. Notre participation au projet nous fournit l'occasion d'encourager la prochaine génération, a mentionné Elisabeth Sobol, présidente directrice générale du Saratoga Performing Art Center. Continuons donc à vous parler du Festival de la Naudière. Cette fois avec une entrevue que nous accorde Renaud Loranger, le directeur artistique. Ce dernier nous parle de la fin de semaine à venir. On l'écoute. Nous sommes de retour avec Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière. Et comme une tradition encore au festival, l'OSM se doit de venir au festival. Ben voilà, est-ce qu'il vous appelle en disant on s'en vient, on casse notre horaire 2-3 ans d'avance ou ça se fait progressivement? Oui, ça se fait progressivement, mais tu as parfaitement raison, l'OSM est incontournable au festival. Hein. Mais je pense pour, toujours, et pour eux autres aussi. Toujours, ben oui. On travaille sur des dates ensemble vraiment assez longtemps à l'avance parce qu'évidemment, ils ont beaucoup à faire à Montréal, aussi des fois en tournée. Hein. Oui. L'été, c'est le moment où ils peuvent éventuellement partir en tournée. Donc là, ils sont avec nous pour la première fois dans l'été, non pas au tout début, non pas en ouverture, plutôt au milieu du festival. Donc les 19 et 20 juillet, avec, j'ai envie de dire encore une fois, certains des morceaux les plus connus, les plus aimés de tout le répertoire. Je pense au concerto pour piano, premier concerto pour piano de Tchaïkovski, ben ouais. Avec un merveilleux pianiste israélien, Yoav Levanon, qui vient jouer au Canada pour la première fois. Mathias Görne est avec nous aussi vendredi, le 19 juillet, l'immense baryton allemand qui va nous chanter du Wagner, rien de moins, qui va chanter les adieux de Wotan. C'est donc la toute fin, les 20 dernières minutes à peu près là, de la Valkyrie de Richard Wagner, quand Wotan, qui est c'est la figure de Zeus ou de Jupiter, appelons-le comme on veut, là, c'est le patron des dieux, et qui en fait a banni sa propre fille, la Valkyrie, du royaume des dieux parce qu'elle s'était comportée un peu, elle n'a pas trop respecté les règles. Ouais, ouais. Puis lui est déchiré, mais il décide qu'il faut quand même que la loi soit maintenue et appliquée, puis il n'a pas le choix de bannir sa propre fille. Puis là, c'est un monologue de 20 minutes, là, de grande émotion. Ouais. C'est quelque chose. C'est très beau, puis Mathias, c'est vraiment un immense chanteur. C'est un grand luxe de l'avoir avec nous. Et le 21 juillet, dimanche après-midi, bien, on retrouve les Violons du Roi, qui étaient avec nous en ouverture dimanche cette année. Non pas avec Bernard Labadie, mais avec Jonathan Cohen, leur directeur musical, dans un programme construit autour de Beethoven, autour de la 7e symphonie de Beethoven. Pareil, ça fait longtemps que j'avais envie qu'on la fasse ici au festival, la 7e de Beethoven, à l'amphithéâtre. C'est avec les Violons du Roi et la participation exceptionnelle de Mathieu Lussier, le bassoniste. Okay. Je dis le bassoniste, mais il est aussi pédagogue, voilà. Administrateur, il est directeur artistique maintenant, Mathieu, du Festival du Domaine Forget. Okay. Et donc, il va nous jouer le concerto pour basson de Mozart. Le concerto pour basson, tu sais, le basson, c'est pas un instrument soliste qu'on croise toutes les naturellement. Violon, piano, violoncelle, mais basson, ça sort un peu de l'ordinaire. Donc, c'est très amusant, c'est très accessible. On souhaite qu'il fasse beau, évidemment. C'est toujours la même chose, on pense qu'il va faire beau. Vous avez commandé, le soleil. On commande tout ça d'avance. Puis, on en parlait plus tôt, tout ça est très accessible aussi sur le plan financier. Oui. Les billets coûtent vraiment pas trop cher, j'insiste là-dessus, pour la qualité des propositions qu'on a, pour le niveau des artistes qu'on retrouve ici. Mais aussi sur la pelouse, hein, c'est ça. Les billets sur la pelouse ne sont pas très chers. C'est toujours gratuit
jusqu'à 17 ans pour les jeunes, pour les enfants. T'sais, pour les familles, des fois, ça facilite aussi la venue. Puis l'apprentissage, là, il y a bien quand tu me parles de la septième de Beethoven, là, écoutez, le mouvement lent, je cherche, c'est le rago, c'est ça? Tout à fait, ouais. T'sais, c'est des choses qu'on entend souvent dans des thèmes musicaux, dans des films. Donc, tu t'aperçois que tu connais, qu'on connaît bien ça. Puis voilà, donc j'invite les gens de la région vraiment à se joindre à nous, les auditeurs d'Autré, de Berthier, tout ça. C'est que du bonheur. Moi, je suis ici tout l'été, évidemment. J'allais dire, venez nous voir, venez me voir. C'est pas juste pour moi, mais venez me voir aussi. C'est ça, c'est plaisir de vous accueillir. Ben, venez profiter de ce lieu-là. Profiter de l'amphithéâtre. C'est ça, c'est très beau. Puis on peut juste rajouter aussi qu'il y a toujours des pique-niques, il y a toujours des boîtes à lunch qui sont offertes par la distinction. Absolument. Vous pouvez apporter nos. Puis manger sur le gazon, puis aller s'asseoir par la suite. Donc, c'est vraiment l'endroit idéal. C'est ça. Mais je te remercie. Merci à toi. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600$ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000$ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Les anniversaires en ce 18 juillet 2024, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Lise Lavallée, à René Dumontier, à Rénald Caillé et à Jacques Pagé. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Marielle Sylvestre. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 18 juillet, eh bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant d'un groupe punk qui sera en vedette à La Valterie. En effet, le groupe Grimms Conk sera en prestation demain, vendredi 19 juillet à 20h à La Valterie. En novembre 1988, dans un local de pratique montréalais, cinq jeunes punks s'unissent et unissent leur âge pour jeter les bases de ce qui deviendra quelques mois plus tard le Grimms Conk. Oui, Grimms Conk, voilà. Les premiers enregistrements de ces pionniers du rock alternatif au Québec témoignent d'une longue marche à travers une province vierge de toute structure de diffusion pour ce style musical. Autumn Flower, 1991, Exotic Blend, 92, Rooftop Killer, 1993, Grimms Conk. 1994 et Meltdown 1995 s'imposent comme une implosion punk rock metal nuancée de quelques envolées progressives et psychédéliques. Rapidement, une vision internationale s'impose à la formation alors qu'elle passe des clubs aux salles prestigieuses de grande capacité, elle commence à se sentir à l'étroit au Québec. Après avoir traversé le Canada, le groupe met le cap sur l'Europe et les États-Unis.
De ses nombreux périples, il enrichit ses nouvelles chansons d'influence de musique du monde, comme en attestent ses disques Field Trip en 1998, puis dans un registre plus pop, Seventh Wave en 2002. Avec la même passion, Grim Cook cultive son indépendance en créant sa propre étiquette de disques, des disques Indica, en 1997. En plus de ses propres productions, le groupe y accueille de nombreux acteurs de la scène locale pétrie de talent, mais en mal de structure. Les trois accords, Doba Caracol, Vulgaire Machin, Caféine, et aussi plusieurs artistes étrangers réputés, dont Trio, Joseph Arthur, The Cat Emperor. Après plus de 30 années d'activité, le quintet dépasse allègrement le cap des 2000 spectacles en carrière, devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs, incluant de multiples apparitions dans des festivals internationaux prestigieux. Une passion pour la scène immortalisée sur le CD-DVD Live plus DVD Unplugged en 2003. Le groupe Grim Cook ne s'essouffle pas au virage du nouveau millénaire et ravive même sa flamme à l'apparition avec la parution d'un nouvel album, Fire Under the Road en 2006, Set Fire en 2012 et Unreason in the Age of Madness en 2018. On écoute un extrait de ce groupe. D'impuissance face au pouvoir qui abuse à outrance. Les abus du matraque imposent la doctrine du silence. Que le peuple danse, la machine de guerre qui danse. Car ceux qui n'ont rien, ils partagent le monde. Et ceux qui ont tout, ils baignent dans l'immonde. Marchons ensemble, fils et garçons, pour la révolution, pour l'amour de la paix. Sous les bombes lacrymogènes, dans les rues, dans les yeux, dans les boules à peine, que l'action citoyenne.
accidentellement à Saint-Ignace en pratiquant sa passion le 12 juillet dernier. À l'aube de ses 16 ans, Antoine Étier nous a quittés, fils de Catherine Lannoy et de Stéphane Étier. Reconnu pour être Monsieur Sourire, vedette joviale appréciée de tous, un sportif adoré de toute son équipe de soccer impliquée au sein de son association, ainsi qu'un grand passionné de pêche et de chasse. En plus de ses parents, il laisse aussi dans le deuil son frère Frédéric, ses grands-parents Louisette et André Étier, ainsi que Lynn et Michel Lannoy, sa copine Émilie Desrochers, ses oncles et tantes Isabelle Lannoy et son conjoint Martin Étier et son conjoint James Dempsey, Nathalie Boudreau et son conjoint Pierre Gertin, ainsi que plusieurs autres parents, sans oublier ses nombreux amis de son équipe de soccer, les Bandits U16 de l'association de soccer et les membres de l'Académie de pêche et les élèves de sa promotion à Pierre de l'Estage, ainsi que ses collègues de la pourvoirie Roger Gladue. La famille vous accueillera vendredi 19 juillet de 19 à 22 heures ainsi que samedi 20 juillet de 13 heures au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront samedi 20 juillet à 17 heures en l'église de Berthierville. À son domicile, le 30 juin à 71 ans, est décédé M. Mario Drainville, époux de Jacqueline Bélanger, demeurant à Saint-Cubert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mathieu Drainville, son ami de cœur, Cathy Marcoux, Patrick Drainville, Mélanie Soulière, ses petits-enfants, Hubert et Lou, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs autres parents, neveux, nièces et autres parents. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Fondation de la sclérose en plaques. La famille vous accueillera samedi 20 juillet dès midi en l'église de Saint-Cudbert. Suivront les funérailles à 14 heures. M. Mario Drainville sera inhumé au cimetière de Saint-Cudbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à Bonne Météo avec Théo. Aujourd'hui, jeudi après-midi, il y aura risque d'orage avec une température de 25 ainsi qu'un ressenti de 29 avec 1 mm de pluie. Vendredi soir, il fera généralement ensoleillé avec une température de 22 ainsi qu'un ressenti de 29. Et pour vendredi, il s'annonce plutôt chaud car vendredi matin, il y aura une température de 18 ainsi qu'un ressenti de aussi 18 avec un ciel généralement ensoleillé. Et pour vendredi après-midi, il y aura un ciel ensoleillé avec des passages nuageux, avec une température de 26 ainsi qu'un ressenti de 30. Et pour vendredi soir, il fera généralement ensoleillé avec une température de 23 ainsi qu'un ressenti de 26. Et finalement, pour vendredi nuit, il fera une température et un ressenti de 15 ainsi qu'un ciel généralement dégagé. C'était tout pour votre météo.